Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour la ferme Aucune Limite. Donc pour ceux qui ont suivi le dernier épisode, on avait préparé tout pour commencer à moissonner. Donc du coup là ce qu'on va faire, bah, on va attaquer. Hein, on va attaquer tranquillou. Donc du coup voilà. Donc je suis désolé pour hier matin du coup parce que vu que vous avez pas eu la vidéo donc j'ai pas eu le temps de la tourner et malheureusement bon, la vidéo de hier matin oui pour le coup parce que pour vous ce sera mercredi pour les vidéos de mardi parce que j'ai pas eu le temps de la tourner malheureusement j'ai eu des événements dans ma journée qui ont fait que j'ai eu des petites urgences à traiter. Donc du coup j'ai absolument pas du tout eu le temps de tourner malheureusement. C'est des choses qui arrivent, surtout en ce moment là, il y a pas mal de choses qui font que je ne peux pas forcément tourner. Donc du coup voilà, c'est pour ça qu'il y a moins de live, parce que voilà, là en ce moment je suis très fatigué, je suis un peu sur les rotules, et, surtout émotionnellement, surtout en ce moment. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de réduire les lives. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont déçus à ce sujet-là, je sais que vous préférez, enfin que je sais que vous voulez me voir comme d'habitude. Souvent live, donc 4 lives par semaine. Je pense que même ça à l'avenir, il n'y en aura pas autant. Il y aura plus de vidéos. Il y aura. Parce que voilà, j'ai envie de me consacrer un peu plus sur mes vidéos, de travailler plus mes vidéos. Parce que voilà, mine de rien, ça me prend beaucoup de temps. Et bah, évidemment, j'ai une vie aussi à côté. Donc j'ai des choses à faire à côté. Donc ça me plaît. J'ai pas forcément le temps de pouvoir faire ce que je veux et pour le coup ça me permet aussi d'un peu me reposer, de pouvoir reprendre un rythme parce que pour le coup là ces derniers jours j'ai perdu pas mal mon rythme. Je suis très fatigué donc du coup pour le coup j'ai pas mal d'heures de sommeil en retard et évidemment ça impacte un petit peu sur mon rendement habituel donc pour le coup voilà c'est pour ça que j'ai pris cette décision là. J'ai pas envie de vous faire un live où vous me voyez complètement mort, complètement fatigué du début à la fin, que ou même que comme ça arrivait samedi dernier j'ai fait un live, je me suis dit bah, je vais quand même vous faire un live. Je vous ai fait un live de 2 heures je crois, 2 heures et quart. Franchement j'étais mort, j'étais scié, j'étais KO. J'arrivais pas à tenir donc du coup c'est pour ça que je préfère encore voilà je préfère encore diminuer les lives et puis comme ça à côté ça me permet aussi de réfléchir un peu plus sur la chaîne, de réfléchir à différentes choses que je peux vous faire sur la chaîne. Donc par exemple là vous allez avoir une vidéo unboxing, enfin vous avez eu une vidéo unboxing hier normalement si tout s'est bien passé, mais bon en ce moment c'est compliqué, je pense que normalement ça devrait être bon, mais pour le coup normalement vous l'avez eu en début de soirée normalement. Donc du coup voilà c'est pas évident non plus, mais bon donc du coup voilà normalement je vous la mettrai en fiche si j'ai pas oublié, vu que cette vidéo là je la tourne je n'ai pas la vidéo unboxing à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas eu le temps de la je n'ai pas du tout eu le temps de la tourner encore. Donc du coup voilà, donc il faudra que je revienne sur la vidéo après pour vous la mettre en fiche. Donc pour certains vous verrez peut-être pas la fiche. Mais je vais essayer de le faire assez rapidement. Quand j'ai posté la vidéo, je vais essayer de me rappeler de revenir sur cette vidéo-là pour la foutre en fiche. Donc du coup, voilà. Donc j'espère que pour vous les amis, tout va bien. J'espère que vous allez très bien. Que les vacances se déroulent bien. Bah tiens, j'ai envie que vous me dites qu'est-ce que vous avez prévu pour le 31. Qu'est-ce que vous avez prévu pour Halloween? Si vous avez prévu de faire une sortie entre potes, de faire. Je sais pas, de faire des soirées à thème, ça pourrait être intéressant à voir. Voilà, ça pourrait être assez drôle. Qu'est-ce qui concerne le Discord aussi, je. Putain, race. Ce qui concerne le Discord aussi, je pense. Je pense que également, je vais peut-être pouvoir réouvrir. Je vais peut-être pouvoir réouvrir. Pourquoi il me fait chier, lui? Ah oui, parce que je suis trop loin. Je vais peut-être pouvoir réouvrir les canaux photos et vidéos, je pense. Mais ça restera quand même extrêmement surveillé. Donc comme ça, si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser une petite vidéo. Enfin, une petite vidéo, vous pouvez mettre une petite vidéo de votre petite soirée, de vous montrer un petit peu le thème de votre soirée ou des photos.
pour vous faire partager un peu tout le monde, je pense que ça peut être intéressant à voir. Et pour le coup, bah moi, je pense pas que je vais faire quelque chose de particulier, j'ai pas trop l'intention, à part peut-être que je vais peut-être vous faire une petite vidéo un petit peu spéciale, je vais peut-être pour l'occasion, je vais peut-être me faire un petit maquillage, un petit peu d'horreur, hein, mais ça reste à voir, parce que faut que j'ai le temps, faut que j'ai le temps de le faire, c'est dur, hein, mais c'est comme ça. Donc de quoi voilà, ça on y verra un peu plus tard. Ah, vous verrez bien de toute façon sur la vidéo. Donc normalement Halloween proche c'est jeudi. Donc je pense que donc, ça serait pas pour vous, ça serait demain. Donc si je dis pas de conneries, bah, c'est ça serait demain. Donc du coup je sais pas, je vais voir si si je me fais un petit si je me fais un petit délire comme ça, voilà, que je me fais un petit maquillage assez drôle. Bon évidemment voilà, Ingrid c'est pas non plus quelqu'un qui se maquille énormément, qui a autant de maquillage qu'un professionnel. Donc voilà, je vais être obligé de faire un minimum, avec ce que j'ai sur place. Donc bon, j'ai déjà regardé petit à petit, enfin j'ai déjà regardé. Aussi ouais, j'ai déjà regardé, parce que comme pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment pour une vidéo. Donc pour la série Wars of Tank, je me suis été maquillé, je me suis été fait un tri sur le visage, enfin je me suis pas sur un tri. Donc je me suis été fait un petit maquillage sur le visage, voilà, avec mon t-shirt treillis pour voilà pour entrer dans le thème. Donc voilà, donc ça me permet de savoir qu'est-ce qu'avait Ingrid en maquillage. Donc pour le coup, j'ai une petite idée de qu'est-ce que je peux faire, mais il faut que je prenne le temps de le faire, parce que un maquillage comme ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Surtout que je me maquille pas tous les jours, donc voilà, j'ai pas trop l'habitude. Même si je sais faire des maquillages. Hein, Oh non, il sait faire des maquillages. Oh donc du coup voilà. On va voir un peu qu'est-ce que je vais faire. J'ai ma petite idée, ça peut être assez marrant. Bon après c'est sûr, ça va pas être un maquillage comme dans les films d'horreur que vous pouvez voir, hein, vraiment du maquillage professionnel, le truc, mais. Des maquillages comme ça demande du silicone, ça demande déjà beaucoup de pratique et du savoir-faire, et ça que je n'ai pas. Donc du coup voilà, j'ai pas non plus dépensé 50 balles dans un maquillage juste pour une vidéo qui va durer 20 minutes. Donc du coup voilà, je sais pas, je vais voir un petit, ouais, je pense quand même un petit maquillage ça pourrait être drôle. Bah tiens, pour le coup aussi les amis, n'hésitez pas à poster sur le Discord, pour ceux qui sont sur le Discord, vos déguisements et vos maquillages, pour ceux qui se maquillent, qui font voilà, qu'ils ont envie de se faire un petit délire pour Halloween, de ce que vous avez prévu de faire comme ça. Ça pourrait être assez marrant à voir, ça pourrait être assez marrant, ça pourrait rentrer sur le thème. Bah tiens, j'ai envie de faire un petit concours pour le coup, ça pourrait être sympa, un petit concours de photos. Donc ça serait plutôt du style à qui aurait le maquillage le plus horrible. Ah. Donc du coup évidemment il n'y aura pas forcément de récompense, hein, voilà, c'est juste dans le délire, dans le thème, voilà, j'ai envie de voir si vous jouez le jeu. Donc ça pourrait être assez intéressant. Ça pourrait être assez intéressant. Et puis bah, à terme je choisirai la personne qui me fait le plus flipper. Ça je pense que ça peut être comique. Je pense que ça peut être comique. Donc évidemment tout est autorisé, donc que ce soit des filtres, que ce soit des. À part les montages photos, parce que voilà, on n'est pas tous capables de faire des montages photos plus ou moins hard. Donc il faut que quand même le minimum que ce soit vous qu'on voit sur la photo, que ce soit pas quelqu'un d'autre. Il faut que ça soit au minimum vous qu'on voit sur la photo. Donc bon, du coup voilà, c'est les seules choses que je demande. Après, voilà ouf. Donc du coup ce champ-là, il va être vite fait. Je pensais mettre un peu plus de temps que ça, mais en fait oui, avec une barre de 9 mètres, ça va vite. Ah, ça va très vite. Donc pour le coup, comme ça va faire remonter un peu le fric. Bon, je sais que c'est vrai que. Oula, je suis carrément à côté de la plaque, moi. Je sais que. Bon, la moisson, sans cette partie, on a fait un paquet. Mais bon, pour le coup, vu qu'on n'a pas trop d'animaux encore, enfin, on n'a pas d'animaux en particulier, comme des vaches par exemple, c'est vrai que ça demande un peu de boulot. Enfin, ça demande un peu de boulot. C'est un peu chiant parce que je suis obligé de faire des cultures, je suis obligé de faire certains trucs pour pouvoir tout simplement gagner assez d'argent déjà pour. Désolé pour le lapin qui me casse les couilles. J'en ai marre, je me fais troll par un lapin. Oh! Germaine! T'arrêtes tes conneries? Voilà.
Non, ça s'appelle pas Germaine, hein, mais moi j'aime bien donner des petits noms à la con comme ça, mais aux animaux. Donc ça, on va arrêter, on va prendre le tracker, on va aller emmener ça. Donc du coup, je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais. Bon, c'est pas grave. Ça va me revenir peut-être un peu plus tard. Alors, du tournesol, il faut que j'emmène ça à Cop Agricole. Cop Agricole, c'est là, je crois, quelque part. Non? C'est plus loin. Ah non, c'est là. Bon, d'un côté. C'est cool. Est-ce que j'ai une sortie par là? Je sais pas. On va aller voir. Enfin, on va aller voir. On va prendre la sortie. Parce que pour le coup, pour aller à la Cop Agricole, là. Ouais, faut que je prenne le chemin qui est là. Hop, à l'entrée là. Hop, allez, feu patate. Hein. Factory Longy a démarré. Paf. Ah oui, je tenais aussi à ce que je viens juste de m'en rappeler. Alors, pour ceux qui me suivent, mais vraiment, qui me suivent vraiment beaucoup, qui regardent la plupart des vidéos, j'avais fait une vidéo un mardi. J'avais fait une vidéo sur, sur la série LCS le Pelliste. Donc sur la série TP, bien entendu. J'ai été étonné du nombre que vous étiez à me soutenir. J'étais étonné le nombre que vous avez été à regarder cette vidéo. Et encore, c'est toujours en train de monter. Cette vidéo-là, elle fait pas mal de vues. Après, je veux quand même préciser que cette vidéo, je l'ai pas faite pour faire des vues. Je l'ai faite parce que voilà, c'est le ressenti que j'ai eu, c'est ce qui m'est réellement arrivé. Donc du coup, franchement, ça m'a énormément surpris. Je m'y attendais absolument pas à ça. Et ça peut faire que plaisir. Alors, je sais pas si je peux faire demi-tour par là. Bah évidemment. Ah si, je peux faire. Bon, au pire. De toute façon, moi, je peux pas tourner de manière, j'ai pas pris assez large. Et hop. Tac, on va prendre le plus large, comme ça on passera. Pourquoi je regarde? Parce que j'ai l'impression que mes gyrophares ne sont pas en mode réaliste. C'est chiant parce que ça se désactive tout seul. Je trouve ça bizarre. Hop. Ça franchement ça va être de benne à mon avis. De benne pour finir le contrat. Ouais, de toute façon il y aura qu'une benne, hein. Il y aura qu'une autre benne, de toute façon il reste pas 50 hectares à faire. Donc pour le coup ici il y avait pas du tout de. Il n'y avait pas du tout de deuxième entrée, il n'y en avait qu'une seule. Donc, je vais essayer de prendre le large ici si je peux. Ça marche pas. Ça ne marche pas, Germaine. Hop là. Allez, break, Marcel. Ouais, bah ça, c'est bon, ça passe. Oh, le mec, il se break son volant. Bon, puis on va refaire le tour du trait de la machine. Comme ça, je vais pouvoir me refoutre. En dessous de la BN, en front, sous la BN. En dessous les bébuses. Hop. Donc, aussi, pour ceux qui ont remarqué, parce que c'est vrai que vous êtes assez nombreux d'être arrivés. Enfin, vous êtes arrivé sur ma chaîne grâce à Guigui, donc à la LFD. Vous étiez assez nombreux à venir de sa part. Donc du coup, ça, voilà, vous le suivez toujours. Donc pour le coup, voilà, vous êtes très attentif sur les lives, c'est étonnant parce que j'ai eu des retours hein, comme quoi j'ai eu des retours que comme quoi c'est bizarre qu'une grille ne vienne plus sur les lives. Alors, il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça. Elle est toute simple. La raison, c'est que tout simplement, en ce moment, voilà, elle n'a pas forcément envie de, elle a pas forcément envie de rester traîner trop sur YouTube. Voilà, elle a des moments comme ça. Elle va pas tout le temps passer sur la. Pour ceux qui étaient là samedi dernier, vous voyez, elle n'était pas du tout venue sur le stream, sur le live. Et que voilà, voilou. Après c'est pas grave, hein. C'est pas, y a pas mort d'homme non plus, mais bon. Voilà. Donc vous étonnez pas si vous la voyez plus, c'est normal. C'est juste que voilà, elle a pas envie de forcément de passer. Elle a pas vraiment envie forcément d'être présent. Donc du coup, chose qui est normale, hein, c'est son droit. Moi j'oblige personne à rien, j'oblige personne à faire quoi que ce soit. Si les modos ne veulent pas venir, s'ils ne veulent plus venir
venir. Après, il faut bien prévenir quand même, parce que voilà, je vais pas vous laisser modo, alors si vous venez pas, ça sert à rien. Donc pour coup, il y a une réflexion qui est faite aussi au niveau des modérateurs, parce qu'il y aura du tri à faire, parce que vous êtes quasiment... Enfin, il y a quasiment... J'ai quasiment pas de mono qui passe, enfin qui vient sur les streams. Donc du coup, je pense que je vais... Qu'il y en a certains qui vont être tout simplement sortis. Après, c'est pas... Faut pas prendre ça à titre personnel, hein. Vous avez rien fait de mal, les amis. C'est juste que voilà, des modérateurs, ça, pour moi, ça sert à rien. Des modérateurs qui sont jamais là, c'est chiant en fait, tout simplement. Donc du coup, voilà. Oh, ah si, ouais, j'avais pas vu, je crois, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait un. Bien sûr, peut-être une banne supplémentaire. Ah, peut-être une banne supplémentaire. Attends, on va regarder. Oh, je suis à 75%, si, il y aura peut-être une benne encore. Il y aurait peut-être une benne quand même, encore. Intéressant, non? Donc, pour les commentaires aussi de la dernière vidéo, là, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires. Mais vraiment, presque pas, même. J'en ai eu deux. J'en ai eu deux, donc du coup, je vais vous les lire tout de suite, hein, tant qu'à y être. Alors, les commentaires... Et le mec qui s'étouffe en plus. Alors les commentaires, on va commencer par Chelsea qui m'a fait hashtag la boletterie AGG. Alors je sais plus ce que j'avais fait comme connerie. Ah oui, si, ouais, j'avais couché le tracteur avec le pull-levé. J'avais couché le tracteur avec le pull-levé. Oui, donc oui, effectivement, la boulettrie AGG. Donc ouais, ça me fait vraiment plaisir de voir ça dans les commentaires, parce que ouais, c'est un peu la signature de la chaîne. Voilà, j'ai mis ça en place. Et franchement, ça me fait plaisir, parce que je vois que ça marche, je vois que vous prenez au jeu, et c'est vraiment drôle. Enfin, je trouve ça, ça me fait rire, parce que ça me montre que vous suivez, et c'est non. Donc du coup, on va continuer avec Thierry qui m'a fait bonjour GG, super vieux, continue comme ça, un like pour ta vidéo. Bah, merci Thierry pour ton petit commentaire, merci pour ton petit pouce bleu, et bah, j'espère que le contenu va vous continuer à vous plaire, les amis. Même si il y a des moments, ça va changer, il y a des choses qui ont changé par rapport à des lives, par rapport au live. C'est sûr que là, il y a des choses qui vont pas forcément vous plaire, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a moins de vie, moins de live. Mais bon, voilà, je préfère faire plus de vidéos pour l'instant. Je préfère travailler mes vidéos. Après les lives, ça reviendra. Hein. Je pense qu'à l'avenir, on va revenir sur du 2 lives par semaine. Après, peut-être augmenter au fur et à mesure. Mais pour l'instant, voilà, j'ai besoin de prendre un peu mes distances avec les streams. C'est pas parce que ça me gave, hein, loin de là. C'est juste que voilà, j'ai pas l'esprit. Je suis pas en forme le soir. Donc je suis trop fatigué. Je ne peux pas live. À part si je sens que je peux le faire, je le fais. Autrement, je le ferai pas. Tout simplement. C'est pas plus con que ça. Donc du coup, voilà. Après aussi, il y a une nouvelle série, donc évidemment, il y aura d'autres jeux qui vont venir sur le, qui vont venir sur le, qui vont venir sur sur la chaîne. Donc il y en a, vous étiez quelques-uns à me demander aussi, est-ce que t'as acheté le DLC Claze? Eh ben non, je l'ai pas encore acheté. C'est con, hein. Mais non, j'ai toujours pas acheté. Je pense que je vais peut-être m'acheter bientôt, là prochainement. Je vais peut-être vous l'acheter, mais bon, je vais pas faire de vidéo là-dessus, parce que voilà, il y en a assez. Franchement, moi, ça va. Je pense pas que ça va me rapporter quelque chose, hein, de plus intéressant. Franchement, il y en a beaucoup. Vous êtes très nombreux même à suivre d'autres streamers qui sont beaucoup plus gros que moi. Donc, eux, ils ont déjà fait un live dessus, ils ont déjà fait une vidéo dessus, voire même des jeux, certains, ils ont déjà fait plusieurs lives dessus. Donc, je pense que le DLC Claze, je pense que vous connaissez bien maintenant. Donc je vois pas l'intérêt. Après oui, c'est sûr que voilà, je vais peut-être faire une série particulière, peut-être, je sais pas, je vais voir. Faut déjà que j'ai les idées qui passent. Après oui, c'est sûr que j'ai des idées, mais il faut que je le mette en place. Mais pour le coup, si y a une nouvelle série qui se met en place sur Farming, automatiquement vous avez une ancienne qui dégage. C'est comme ça, mais j'ai déjà ma petite idée, donc je pense que ça serait plutôt à chaque fois j'essaie de faire ça. C'est la série la plus grosse. C'est la série la plus celle qui a le plus d'épisodes qui a le risque de sauter en premier. Pourquoi? Parce que tout simplement
Bah que voilà, ça fait pas mal d'épisodes, donc pour une saison c'est déjà pas mal. Donc du coup je pense que ouais ça pourrait faire du neuf à ce sujet-là. Donc je sais pas, il faut que je vois, il faut que je trouve une map aussi parce que voilà, bah là dernièrement j'ai pas non plus. Dernièrement là j'ai pas non plus eu le temps d'aller faire un tour sur les sites de mode. Même si j'ai regardé un peu hier ou avant-hier, je sais plus. J'ai regardé un peu, j'ai vu quelques petits trucs intéressants, mais bon. Faut que je mette, faut que je regarde ça, il faut que je les teste aussi parce que voilà, je vais pas télécharger un mod, le mettre sur la partie, le filer à Shadow, le filer à Shadow et puis me rendre compte qu'au final le mod il est pourri. Donc du coup voilà, je vais pas non plus m'amuser à ça. Donc là je préfère tester les mods, être sûr qu'ils ne bug pas, qu'ils sont. Enfin, après c'est des tests de base, hein. C'est pas non plus, j'ai pas non plus poussé les trucs, j'ai pas vraiment tout faire ce qu'on peut faire avec l'outil par exemple, pour m'assurer qu'il est pas buggy. Après je vais essayer déjà de me mettre sur la partie, sur ma partie test, c'est voir déjà si ça me fait pas laguer, si ça me fait pas crasher, si ça provoque pas des bugs flagrants comme par exemple. Je sais pas, moi, un conflit entre un mode comme ça m'arrive avec le broyeur le broyeur d'origine. Donc c'est le broyeur à tapis qui me fait ça. C'est le broyeur à tapis qui fait ça. Ça provoque un conflit avec le mode avec mon mode inverseur. Donc quand j'attache le tapis, je ne peux plus faire marche avant ni marche arrière. Je ne peux plus m'en servir. Je peux plus me servir du. Tout simplement, je peux plus me servir de l'inverseur. J'ai jamais compris pourquoi. Pourtant c'est pas un mode, hein. C'est pas un deuxième mode. C'est un truc de base. C'est vraiment un truc de base. Donc voilà, je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais. Après voilà, c'était pour la série Le Forestier Boulet. Bon maintenant la série s'est arrêtée. Donc la première saison s'est arrêtée. Donc je pense qu'il y aura d'autres saisons. C'est fort possible. Mais pas tout de suite pour le coup. Parce que voilà, j'ai pas vu des modes. J'ai pas vu des modes qui m'intéressent plus particulièrement. J'ai pas vu des modes qui m'intéressent plus particulièrement. Donc du coup voilà. Donc je suis désolé les amis si que quand je tourne le volant, des fois vous avez des à-coups dans la caméra. C'est parce qu'en fait la caméra est sur mon écran qui est en face de moi. Et pour le coup, vu que le retour de force, j'arrive pas à l'annuler. Enfin on peut pas l'annuler de base, normalement on n'est pas censé pouvoir l'annuler. Après il y a une manip qui existe pour le faire. J'ai essayé, ça marche pas, j'arrive pas. Donc voilà, je vais pas me prendre la tête. Après, j'ai pas envie de l'abîmer non plus le volant. Donc du coup, voilà. Du coup, c'est quand je lâche le volant qui revient à son point de départ. Bah, automatiquement, ça donne un à-coup assez violent. Donc voilà. Tac. Paf. Bon pour le coup les amis, ça fait 23 minutes, on a déjà dépassé le temps, ça passe vite, hein. Donc du coup, moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, donc à mercredi prochain, à demain pour une nouvelle vidéo, sûrement un petit tuto, parce qu'on sera, je on sera jeudi, donc du coup je vais voir si j'ai le temps, c'est pareil jeudi dernier, j'ai pas eu le temps de le faire de la tourner. Donc du coup, voilà. Allez, sur ce, moi je vous dis, je vous adore, à la prochaine, merci de me suivre, et puis...